De mercredi, alors que le soleil est levé encore depuis peu, un chantier se prépare encore aujourd'hui en belle Normandie. En effet, aujourd'hui, Didier et Gustavio vont encore entreprendre de poser le placo dans la rénovation de garage. Mais aujourd'hui, au fin fond de son petit atelier, Gustavio est en proie au doute. En effet, depuis une demi-heure maintenant, une terrible question le taraude à propos du chantier qui s'annonce. Je sais pas. Ricard ou bière sur le chantier aujourd'hui? Salut les gens! Nous sommes à notre sixième jour de chantier de rénovation totale de garage. Alors la semaine dernière, il y a eu une journée que vous avez pas vue, la cinquième journée. Que j'ai pas pensé à filmer, mais de toute façon ça a été une journée beaucoup plus riche en réflexion qu'en travaux. Pas de panique, réfléchir plutôt. Mais on a quand même commencé à plaquer cette chambre-ci, comme vous pouvez le constater. Donc là aujourd'hui notre mission à tous deux, ça va être... avancer tout ce que les gars n'ont pas avancé. Ce voilà, plaquer tout ça. Sinon, on a quand même fait quelques petites choses, hein. Notamment on a bouché ici parce que ça ne l'était pas. On a aussi plaqué ce mur-là et ce mur-là, quand même. Oh, ça commence. Dum 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 dum. Donc voilà, aujourd'hui ça va être principalement rail et placo. Puis voilà, ça commence à prendre ferme néanmoins. C'est mon tatoueur qui m'appelle, salut, je suis débauché bien. Allez, c'est parti. Je sais pas. 12 ans. On aura 12 et demi, allez. 12 et demi, et dans son sac. Ah oui. Attends, ça y est, je sais plus de quoi. C'est bon, je l'ai retrouvé, par contre. Mais ça me fait rire à quel point, juste en voyant la tête, tu te rends compte que c'est absolument pas droit ce que je fais. Formidable. Voilà. Le nombre de traits que je suis obligé de faire avant de me rendre compte que je fais une connerie, quand même. Et on pose ça sur du placo, s'il vous plaît, monsieur dame. Toi que ça se voit bien. Il n'y a plus aucune limite. Il y a. Oh le loup. J'espère qu'on va pas voir ce que je fais à la caméra parce qu'on va perdre des abonnés. J'ai failli chuter. Tu me casses pas mon petit doigt. J'ai galéré à le mettre. Comment t'as fait peur? Vas-y, emmène-la vers moi. Il y a un moment, tu t'es déjà couché, t'as tout fait tout seul. Ouais, comme ça. Ah, vas-y, vas-y. Donne-le. Oh, oh, je peux pas faire autant de map. Bon, faut que je refasse pas tout petit bruit là-bas, mais sinon, allez, regarde en haut, je crois qu'il y a plus mal que j'ai fait. Douglas, tu n'oublieras pas de tracer la grille de ventile. Bon, j'espère qu'elle va galer, hein, parce que le rail est là. T'es l'heure, t'es comme ça, tu le bingo.
Bah bien sûr qu'elle y va, Laure. Messieurs, dames, pour la première fois en 6 jours de chantier, j'ai fait... Bon, je fais de la merde, ça c'est pour la première fois. Ah ben c'est bien, t'es vraiment un sale petit con, hein. Mais j'ai décidé de corriger ma merde. Et ça c'est beau, c'est là que tu vois que tu grandis dans le... Dans le chantier, Dieu. Parce que vous voyez là, j'étais parti dans mon élan, alors faites pas la même erreur. J'avais mis rail au milieu, rail au bout. Sauf que j'avais pas calculé que la rail devait tomber sur le bord de la plaque, ce qui fait qu'on avait deux plaques qui n'étaient pas vissées dans leur bord. Et du coup, ça te fait une marge grosse comme une testicule. Oh, toi alors. La laine de verre, elle est monstrueusement épaisse. Du coup, ça gondole la plaque. Et oui, oui, on a décidé d'accord à l'accord de la retirer, de le refaire. Et ça, c'est beau, putain. Comme ça, mon copain, il peut encore choper des cancers de chantier. Ah, oh, ça fait plaisir. Je le laisse le faire parce qu'il a mis des manches, il est con. Je vais faire mon t-shirt, sinon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bye bye, bisous. Vous voyez cette planche? On l'a enlevée, on l'a remise. Après avoir ajouté un rail. Et on n'arrive toujours pas à la fixer. Et en plus, j'ai failli trépaner Brian sur cette planche. J'ai fait tomber le tasseau sur la gueule. Headshot. Alors là, monsieur Dan, je confirme. Ah oui, il l'a pris bien sur le coin de la tête, bien sur le bout du tasseau, il tombait tout le long comme ça. De toute façon, j'ai fait un retour d'AVC. Oui, il a fait un retour d'AVC. C'est que vraiment, c'était quand même un peu grave ce qui s'est passé. Parce que moi j'en ai connu des retours d'AVC, ça faisait pas si mal. Hein. Et là, il lâche rien le gars. Il y retourne. Je suis en train de me dire que c'est vrai que quand on l'a enlevé pour remettre une rail là, on aurait pu en remettre une sur le bout là-bas aussi. Non, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard, allez là, il y reste. Hein. Ça sert à rien de casser le placo. Oh, ça m'énerve là. Tu vas en faire une vidéo de ça? Oui. Bonjour mon copain Cyril. Oh, une dédicace. Ouais, comme ça il va être content. Parce que c'est un fort gentil garçon. Et bah Cyril il mettra un commentaire. Ouais, mais par contre Cyril faut faire attention parce que c'est un homme, il a des verres à la place des bras. Go. Alors. Hey, tu veux que oh. Hey, what are you doing right in front of them? Tu vois les Nosk? Oui. Eh ben c'est moins, plus tendre que Cyril. Eh ben faut qu'il vienne parce que nous on a plus rien dans les notes. Ouais, ça serait pas mal. Ça va perdre les couilles. Et après les mecs, je suis... Parce que t'as vu comment je me donne Pierre là. Oui. Ouais. Et après le mec quand je vais bosser, il se dit oh putain, Ryan, il est toujours fatigué. Oui, c'est parce que vous avez vu comment je me donne. C'est vrai. Je suis pas à mon travail. Il est pas dégueulasse. C'est bien quand il sera plus vieux, il pourra faire... Bon, après, il a une porte juste là, mais... Imaginons, il a fermé le volet. Et moi, j'ai des suspicions de drogue. C'est vrai. Je peux être derrière le volet, comme ça. Mais après, pas con. J'ai à voir de l'autre côté, s'il veut de la fumée, je l'ai grillé. Ah bah oui. Voilà. Alors là, ça fait bien une heure que René il est en train d'essayer de mettre une prise. Attends, il bouffe pas les couilles. Je vous cacherai pas que je sais pas trop ce qui branle. De là, sans le savoir, moi depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il fait que de percer des trous dans le mur. Qu'il est au moins son 15e trou, je sais pas trop ce qu'il fait, mais. Mais sinon, on a fini toute notre mur. Du coup... Attends, il se passe un truc. Ça bouffe les couilles, couilles. Ça lui bouffe les couilles. Putain. Et du coup, la prochaine fois, on va attaquer ce mur-là. Et si ça vous intéresse, on va partir de la porte, on va se prendre la largeur de la porte. Ouais, bah les électriques aussi le front parce que là ça me... Mettre notre rail à fleur et puis...
Mais bien comme ça, hein. Bien comme ça. Donc regardez, j'ai the youm. Il a mis une petite boîtier orange, puis là, je sais pas, il arrive pas à mettre le blanc. Là, il arrive pas à mettre l'interrupteur. En même temps, il essaye de mettre un interrupteur carré dans un boîtier rond. Il essaie de faire rentrer un rectangle dans un rond. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est les jeux des enfants d'avant, ça, hein. Mais non, mais c'est pas le problème, ça. Ah, il t'arrive, c'est pas le problème. C'est parce que les petites patounes, oui, qui sont derrière, tu sais, que tu vises pour venir s'accrocher au placo. Oui. Ça vise pas. Ah, d'accord. Prends la petite en vrai. Et puis ça, et puis en plus, et bah. Attends, parce que là je coupe. Ça, et puis aussi. Regardez en bas, il a fait une couille. Il a fait une perle de couille. Et du coup, là maintenant. Ah, je sais pas pourquoi. Les électriques aussi verront ça samedi quand ils vont venir. Parce que je vais certainement pas me bouffer une couille sans 7 ans et une putain de prise. Ça, quoi. Ouais.